la description physique. Écoutez comment on décrit ces personnages. Jean-Michel est âgé. Il a des cheveux blonds. Il porte un pull beige, un pantalon orange et des chaussures marron. Il donne à manger aux oiseaux. Boris est jeune. Il a des cheveux roux. Il porte un pull rouge et un pantalon ou un jean bleu. Françoise a des cheveux blancs ou gris. Elle porte une robe rose avec un col jaune. Elle porte les lunettes et un collier de perles. Elle boit de la bière et danse. David est jeune. Il porte une casquette rose, un t-shirt jaune et un pantalon gris. Il joue au ballon. Kevin a des cheveux marrons. Il porte une casquette rouge et blanche et ses vêtements sont rouges et blanches aussi. Rouge et blanc aussi. Chloé a de longs cheveux blonds. Elle porte un pull mauve et rose avec un pantalon marron clair. Elle fait cuire quelque chose. Eric a des cheveux blonds. Il porte un pull rouge et un pantalon bleu. Il lit. Clément est jeune. Il a des cheveux blonds. Il porte un t-shirt orange et un short vert. Ses chaussettes sont jaunes et ses chaussures marron. Il pêche. Elvis a des cheveux noirs. Sa veste est bleue et son pantalon est noir. Ses chaussures sont bleues aussi. Il chante. Adam est roux. Il a beaucoup de taches de rousseur sur son visage. Ses yeux sont verts. Il porte une chemise rouge. Lucas a des cheveux marrons et il porte une casquette bleue et des lunettes jaunes. Gabriel a des cheveux marrons et des yeux bleus. Il porte un t-shirt bleu et blanc et un jean. Le clown a des cheveux noirs. Il porte un chapeau melon gris. Il a un nez très rouge. Son t-shirt est rouge et blanc et son gilet est noir. Jade a des cheveux noirs avec un serre-tête turquoise. Son t-shirt est turquoise et jaune. Elle porte un pantalon bleu et ses baskets sont turquoises aussi. Elle fait ses devoirs. Camille a de longs cheveux marrons. Elle porte un pull rose avec une jupe rose. Ses chaussures sont roses aussi. Elle fait du hula hoop. Emma est blonde. Elle a de longs cheveux blonds. Elle est très jolie. Elle porte un haut blanc et des jeans. Elle joue de la guitare. Le fermier
porte un chapeau rouge avec un ruban vert. Sa salopette est verte aussi. Il a une rose jaune entre ses dents. Louise est rousse. Elle porte une robe pourpre et des chaussures rouges. Elle écrit sur le tableau. Jules porte un bonnet gris avec un pompon jaune. Ses cache-oreilles sont jaunes aussi. Il porte un pull vert et un pantalon bleu. Son écharpe est grise. Il fait du patin à glace. Jean-Claude a des cheveux noirs. Il porte un béret bleu. Son pull est rayé rouge et noir et son pantalon est vert. Il fume une cigarette. Léo n'a pas beaucoup de cheveux. Il porte un maillot de bain rouge avec des pois mauves. Ses sandales sont mauves aussi. Sœur Jeannette porte des lunettes. Son habit et son voile sont gris. Elle porte une ceinture orange avec une croix. Elle danse. Daniel porte un casque blanc, un t-shirt jaune et un pantalon turquoise. Ses chaussures sont blanches. Il fait du vélo. La sorcière porte un chapeau noir et orange. Ses vêtements sont noirs aussi. Elle vole sur un manche à balai. Cécile a des cheveux marrons. Elle porte un haut rouge et une jupe jaune. Ses chaussures sont rouges aussi. Elle danse. Hugo a des cheveux châtain clair. Il porte un pull jaune et un pantalon bleu. Ses chaussures sont marrons. Il joue avec un jeu vidéo. Christine a des cheveux marrons. Elle porte un pull jaune et un pantalon bleu. Elle fait du jardinage. Elle plante des tulipes. Elodie a de longs cheveux marrons qu'elle porte en queue de cheval. Elle porte un t-shirt gris et un short violet. Ses tennis sont violets et blancs. Elle promène son chien. Dracula est habillé en noir. Ses cheveux sont noirs. Ses dents sont pointues. Il sort la nuit. Il n'a pas d'ombre. Et il ne peut pas se refléter dans un miroir. Il fait peur.